Ouais, c'est J.I. Bedradi, donc j'ai fait finaliste au dernier championnat d'Europe à Munich sur 3 missiles. J'ai 8,05 au 3 missiles, j'ai fait 5e championnat du monde. Et là, je prépare le championnat du monde cette année, step by step. Là, je suis venu faire un petit cross pour voir exactement où j'en étais. Je pense que la préparation est plutôt bonne. Donc voilà, c'est intéressant de travailler avec des objectifs intermédiaires comme aujourd'hui. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est ici à Carré pour les championnats de France de cross-country. On va suivre Djilali Bedrani sur son cross-court. Donc j'espère que vous êtes chauds les sportifs, c'est parti. Bon les amis, on est avec le grand frère de Benoît Campion. Alors un petit mot, une petite impression pour sur le parcours, sur... Là un petit conseil pour Benoît d'aller chercher un peu d'ancrage sur un parcours assez gras. Il sort de saison en salle, donc assez rapide où ça renvoie. Là, y aller franchement sur les appuis et sentir fort sur l'appui. Okay. Je viens aussi accessoirement d'aller chercher ses pointes qui étaient restées dans la voiture. Ça c'est beau. mais voilà, il est bien, il connaît le parcours, il est à la maison, donc je pense qu'il va se faire plaisir aujourd'hui. Ouais. Et l'objectif, ça va être pour l'équipe, je pense avant tout, d'aller chercher. Si c'est pas un podium minimum, je pense qu'il y aura une déception. Le titre est clairement jouable, je pense, si tout le monde répond présent. Donc hâte de voir ça. Et puis ouais, une belle ambiance et un beau parcours. Donc, Merci. Ça devrait être agréable. Ça sert à rien de partir comme des idiots. Si je cours 4 500 km le plus rapidement possible. Voilà, construisez votre course. Discuter pour les copains du nez et ça va vous permettre d'être meilleur. Ça va être lui, ça fera peut-être de la 3 vers la première. Soit ça va être un top 6 ou un top 3. On ne sait pas penser pour les autres. Quand ça va être dur, on pense aux autres. Les mecs sont peut-être tous dans la même galère. Vous faites une ligne derrière là-bas, avant qu'ils ouvrent, pour être sûr. Vous pouvez. Ouais, c'est à peu près 3 minutes 30. Merci, Attention aux pieds, les pieds, la chaussure jaune. Voilà, venez, il y a du tirage.
Ah, l'intérêt pour ces lacs, toi t'es les plus longues. Avec 3 km. Allez, Ginelli, La course est finie, donc Gilali finit 2 ou 3ème, on sait pas encore avec la caméra. Donc là il est parti au protocole, donc on va le retrouver après, essayer d'aller prendre un petit mot, une petite interview. Donc voilà pour cette course, il y a eu un gros finish à la fin. Là la pluie commence à tomber, donc on va continuer à filmer et on va publier des photos aussi pour Gilali. Les médailles seront remises par Monsieur Jean-Marc Béraud, président de la Ligue de Bretagne d'athlétisme, et Madame Mazéas, première adjointe à la ville de Carhaix. Médaille de bronze, Bourges, Entente, athlétisme, Bastien Augusto. Il est top ce podium sous vos applaudissements. Manon Frappe commence à piocher. Patrice avait attiré notre attention au début de course sur le fait qu'il y avait 9 km pratiquement. C'est assez atypique, c'est pas atypique, ça devient la norme. Mais il faut. Bon, ouais, c'est faire, hein, mais en tout cas, rien n'est joué dans ce cross long. À la maison, on va gagner, ma gueule. Tu vois, à la maison. Ça, c'est juste l'épisode 1. Épisode 1, acte 1. Après, Azine, ça mérite, tu vois. Ouais, non, c'est fait des très belles courses. Hein. Devant, ça, du beau spectacle, en tout cas. Ouais, c'est du beau spectacle. Quoi. C'est ça qu'on aime, tu vois. Même si on finit 2, au moins, il y a ouais. Vraiment une ambiance de cross où il y a les mecs qui sont forts, tu vois. Et en plus, par équipe 2, c'est magnifique. Ah ouais, c'est bon.
C'est pas parfait, mais c'est sympa. Ça reste sympa, ouais, ça reste sympa. Ouais, on va être frustrés. Hein. Ce soir, c'est McDo et tout ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour des jeunes qui t'admirent et qui voudraient se lancer aussi dans le sport? Bah, qui sont sur la bonne voie, parce que déjà, s'ils viennent sur des crosses et qu'ils regardent ces vidéos, ça veut dire qu'ils nous suivent. Et c'est toujours bien de pouvoir suivre des athlètes comme nous. En tout cas, on essaie de véhiculer la meilleure image. Et aujourd'hui, on l'a fait avec le cross. Donc les jeunes, il faut vraiment, il faut vraiment s'imprégner de ces valeurs de cross, parce que je pense que c'est comme j'ai dit, le cross c'est l'école de la vie, donc ça apprend sur le dépassement de soi, la détermination, le travail aussi, et jamais lâcher, voilà. Et pour les objectifs, pour finir, les objectifs? Les objectifs sur court terme, c'est les championnats du monde en août et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, okay, voilà. Donc là, on est sur la bonne lancée et on est sur la bonne voie, donc il faut continuer comme ça. Ok, donc les championnats du monde, si je ne me trompe pas, ça sera à Budapest. Budapest, ouais. Cet été. Et les championnats du monde à la maison. À la maison, à Paris 2024. Ouais, donc on pourra te retrouver et compter sur toi pour ces événements. Donc merci en tout cas à toi d'avoir accepté. Et on se retrouve bien sûr sur les autres compétitions. Avec plaisir, merci.